À ce moment-là, Alain regardait Lydia avec acharnement. Il la scrutait ainsi depuis qu'elle était venue le voir, 3 jours plus tôt. Qu'attendait-il ? Lydia détourna la tête, et ses paupières s'abaissant, elle s'absorba. Dans quoi ? Dans elle-même ? Était-ce elle, cette colère satisfaite qui gonflait son cou et son ventre ? Cette sensation sans rayon, mais nette. Pour lui, la sensation avait glissé une fois de plus. Insaisissable, comme une couleuvre entre deux cailloux. Pauvre Alain, comme vous êtes mal. Il y avait longtemps. Souriez-moi, Alain. C'était très bien. Je suis contente. Bonjour, Alain. Faut que je me dépêche. Je dois faire mon bagage. Votre avion n'est qu'à 11h. J'ai plein de choses à faire ce matin. Francesca vient me chercher à 8h. Alain, je suis si content de vous avoir revu. Vous savez, je vous aime d'une façon très particulière. Merci d'être venu. Remerciez Dorothy. Après tout, c'est elle qui m'a demandé de vous voir. Qui m'a donné l'adresse de la clinique. Qu'est-ce que je dois dire à Dorothy?
Rien, pourquoi? J'ai promis de l'appeler dès mon retour à New York. Elle veut beaucoup savoir où vous en êtes. Que lui direz-vous? La vérité, que vous êtes tout à fait guéri. Je lui demanderai ce qu'elle compte faire avec vous. Vous lui direz que nous avons... Non, Alain. Sauf si vous me le demandez. Je ne vous le demande pas. Elle se doutera de quelque chose. Je crois qu'elle n'y pensera même pas. Elle a autre chose en tête. Et puis... De toute façon, ça l'arrangerait plutôt. Est-ce que vous avez parlé divorce avec elle? Une fois, il y a 6 mois, juste avant mon départ. Depuis? Nous ne nous sommes pas parlé depuis. Elle envoie un chèque au docteur tous les mois. Elle ne vous écrit jamais? Un peu, au début. Et vous? Je lui ai envoyé une lettre il y a 15 jours. Elle a dû vous en parler? Non. Est-ce que vous l'aimez encore? Je ne sais pas. Dorothy n'est pas la femme qu'il vous faut. Elle n'est pas assez riche. Et elle vous laisse courir. Il vous faut une femme qui ne vous quitte pas d'une semelle. Sans ça, vous êtes triste. Et vous faites n'importe quoi. C'est vrai, vous me connaissez bien. Je suis triste, je fais n'importe quoi. Évidemment, je vous connais. Je crois qu'au fond... J'ai toujours eu envie de vous épouser. Même du temps de Dorothy. Pas vous accompagner à Orly. Le docteur sera déjà furieux que j'ai passé la nuit dehors. Si je ne rentre pas maintenant, il me flanquera à la porte. Francesca me conduira. Et puis, Alain, nous allons bientôt nous retrouver. Une goutte d'alcool? Non. Depuis la fin du traitement, pas une goutte. Le traitement, ça consiste à vous faire boire. 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 À en crever. C'est dur. Si j'avais su ce que c'était, je ne l'aurais pas fait. Et maintenant? Maintenant? Rien. Rien.
Lydia. Je voulais vous dire... Mais qu'est-ce qui vous prend? Pas du tout. Si, si. Vous avez oublié, mais pas moi. Une dette de jeu sur le bateau des Ographos, il y a 4 ans. Cette ville oubliée. Si triste. Cette drôle de clinique. Vous êtes guéri, Alain. Pourquoi restez-vous ici? Je m'y sens bien. Une vie de malade, c'est réglé, c'est simple. On est à l'abri. Je n'ai pas très envie de rentrer dans la vie. Paris me fait peur. Vous me trouvez lâche? Non, Alain. Je vous trouve malheureux. Venez à New York. Promettez-moi que vous viendrez à New York aussitôt que vous pourrez. Pour en finir avec Dorothy. Même si vous devez vous remettre avec elle. Ne partez pas. Ne me laissez pas. J'ai besoin de vous. Ne partez pas. Je vous en prie. C'est grave. Il le faut. Je dois être à New York demain. Ils attendent les modèles. C'est important, n'est-ce pas? Toute la fabrication en dépend. Je suis devenue une femme d'affaires, vous savez. Je sais, Alain. Je vous laisse à votre pire ennemi, à vous-même. Venez vite à New York. Non, Lydia. C'est non. Je ne viendrai pas à New York. Je ne vous épouserai pas. Vous seriez malheureuse. Une autre Dorothy. Et puis, vous ne pouvez rien pour moi. Trop tard. Conduisez madame à Paris, à l'hôtel Raphaël, avenue Kléber. Alain! À celui de Proust, de Cocteau, de Genet. Ce cuistre n'a qu'à lire les lettres de la Palatine. On y voit les mêmes goûts qu'aujourd'hui. Croire, une autre chose de savoir. D'accord. Mais a-t-il un ordre? Faut-il croire pour savoir ou savoir votre pour croire? Entrée au jour. Oui. Credo, unintelligible, mon cher. Credo, unintelligible. D'abord, je crois, ensuite, je comprends. Non, 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 ce n'est pas cela, puisque vous avez dit que saint Thomas avait séparé la philosophie de la théologie. Alors, il ne faut pas confondre la foi et l'entendement, ils n'ont rien à voir. Car saint Thomas a dit, ce qui est su ne peut pas être cru, et vice-versa.
Il y a de belles personnes qui ont dû être bien heureuses de vous revoir. Les belles personnes ne sont vraiment pas difficiles. Vous, vous êtes difficile. Si vous n'étiez pas difficile, vous ne sauriez pas où vous en êtes. Vous n'êtes jamais allé en Amérique? Non, j'ai déjà du mal à connaître ma vieille Europe. Là-bas, avec leur brutalité, ils me tueraient. Notre jeune homme a ramené une bien mauvaise mine de son escapade. Il était plus beau il y a quelques années. Bon, il doit l'être encore. Vous le regardez assez. Par rapport à Aristote. Je refuse de parler d'Aristote. Le libre arbitre. Mais c'est la raison qui domine la volonté. C'est elle qui détermine... Monsieur Brown, pourquoi accaparez-vous toujours Monsieur d'Averso? Nous aimerions tous suivre votre conversation. Ah oui. Ça serait bien intéressant. Paraît-il. Non. Pourquoi? Le docteur le laisse entendre. Ah. Vous ne vous plaisez plus avec nous? Si. J'ai l'impression d'être en famille. Vous êtes ma famille. Cher ami, l'être peut en même temps ne pas être. Mais le néant est une chose qui n'aurait pas de qualité. Oh, pardon! Vous ne m'avez jamais dit où étaient vos parents. Ils vivent en province. Ils sont très vieux. Je ne les connais plus. Pauvre garçon. Pauvre garçon! Jeunesse brûlée à faire la foire et maintenant des problèmes. Vous n'êtes pas raisonnable. Vous devriez vous coucher cet après-midi, dormir un peu. Oui. Recouchez-vous. Thank you.
Argent. 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 Ça vous file entre les doigts. Dérange. Mais pas du tout, docteur. J'ai frappé plusieurs fois, je me demandais si vous dormiez. Asseyez-vous. Vous étiez à Paris cette nuit. Je n'ai pas quitté Versailles. J'espère que pour votre première sortie, vous n'avez pas fait d'imprudence. Rassurez-vous, docteur. J'étais avec une dame, comme un vrai collégien. Bravo. Très bien. Excellente chose. Faut rattraper le temps perdu. Une fois sorti d'ici, vous allez pouvoir... Vous mettez la porte, docteur.
Absolument pas, cher ami. Je suis ravi de vous avoir, mais enfin, vous êtes tout à fait guéri depuis un bon bout de temps. Je n'ai pas le droit de vous garder ici indéfiniment, sans raison. Docteur, je vais recommencer. Si je pars d'ici, je m'en mettrai à boire. Tôt ou tard. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Pas de nouvelles d'Amérique? Je ne recevrai pas. D'ailleurs, ça n'a rien à voir. Mais si, soyez patient. Mais je suis patient. J'ai fait qu'attendre. Toute ma vie. Attendre. Que quelque chose se passe. J'ai jamais su quoi exactement. Aujourd'hui, vous savez très bien ce que vous attendez. Vous aimez votre femme et elle vous aime. C'est ce que vous imaginez. Parce que ça vous arrange. C'est vous qui avez insisté pour que je l'écrive. Dorothy sait très bien que je ne peux pas m'en sortir. Mais vous vous en sortez, justement. Vous savez bien. Je constate. Ça ne durera pas. Attendez au moins la réponse de votre femme. Elle peut venir d'un jour à l'autre. Je vous dis qu'elle ne répondra pas. Elle n'a pas pu croire à cette lettre. Quand nous nous sommes mariés, il y a 2 ans, je lui ai déjà promis d'arrêter. Si c'était possible. À New York surtout. Cette fois, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez encore de ces angoisses? Ce ne sont pas des angoisses, docteur. C'est une angoisse perpétuelle. Si vous tenez bon encore quelque temps, peu à peu, cela va se desserrer. C'est une affaire de volonté. Contradiction, docteur. Comment pouvez-vous faire appel à ma volonté? Le mal est au cœur de ma volonté. Et c'est elle que vous soignez. Vous n'avez pas toujours été comme ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi vous avez été dans l'armée? Vous avez fait la guerre? Vous avez commandé? Lisa, tranquille. Ça n'a rien à voir. Télégraphiez-lui. Dites-lui de prendre le premier avion, aussitôt qu'elle sera là, partez avec elle dans le midi. Ou plus loin. Surtout, n'allez pas à Paris. Une femme saine et forte comme sont ces Américaines vous fera oublier tout ça. Ne craignez rien. Je serai parti d'ici la fin de la semaine. De toute façon. Comme vous voulez. Et votre projet de boutique dont vous m'avez parlé? Spécialisé dans l'avant-guerre. Le style Exposition 37. C'est une bonne idée. Vous me voyez en commerçant? Je suis déjà couvert de dettes. Allons, je vois que je vous fatigue. Je m'en vais. Et notre partie? Nous continuerons demain. Reposez-vous. Alain, la vie est bonne.
Dites-moi en quoi, docteur? Demain. Elle ne va pas assez vite en moi. Alors je l'accélère. Je la redresse. Je vous ai apporté votre petit déjeuner. Merci. Passez-moi le peignoir. Vous avez l'air bien pressé ce matin. Je dois m'habiller, je vais sortir. Vous allez où? À Paris. Ville de toutes les orgies. Que j'ai quitté définitivement il y a... Quand reviendrez-vous? Ce sera vite fait. Un chèque à toucher. Quelques vieux amis à voir. Vous allez encore rentrer au jour. Ah, j'oubliais. Le docteur m'a chargé de vous rappeler le télégramme. Le télégramme pour votre femme. J'y pensais, justement. Télégraphie, réponse. Stop. Besoin de toi. Stop. Minute compte. Stop. La rassurer, au contraire. Oui. Oublie cette... Les ennuis sont terminés. Top. Sois heureuse. Ouais. Plutôt ça au fond. Les ennuis sont terminés. Sois heureuse.
jette là, elle ne veut plus rien dire. Oui, j'ai des projets. Faire un voyage. Comment? Non, non. Je ne vais pas à New York. Rassure-toi. Oui, je suis guéri. Lydia a dû te le dire. Elle t'a tout raconté? Mais c'est très bien. C'est pour New York, c'est pressé alors. Un télégramme en principe, oui. Des Sweet Afton. Qu'est-ce que c'est que ça? Des cigarettes irlandaises? Nous n'en avons pas. Vous devriez. On n'en a pas le débit par ici. Il suffit d'une fois. Une fois ne suffit pas. La marchandise se gâte. Et... Bah, tant pis. Donnez-moi des Lucky. Blanc. Vite fait. Vous allez à Paris? Ouais. Vous voulez m'emmener avec vous? Ça nous est défendu. Laissez-moi vous offrir un verre. Patron, c'est pour moi. Santé. Et pour vous, monsieur? Non, merci. Si vous offrez à boire, pour boire avec nous. Je ne bois pas d'alcool. Paris à Versailles? Je ne travaille pas. Ah. Alors, vous vivez de vos rangs? Non, non, non. Je suis malade. Ah, c'est donc ça? Ça quoi? Bah, n'avez pas bonne mine. Qu'est-ce que c'est? Le cœur. Ça ne vous ennuie pas de ne pas avoir beaucoup d'argent? Bon. Moi, ça m'ennuie. Pourtant, vous avez l'air. Seulement l'air. Yeah.
Un peu grossi, peut-être. Vous avez bonne mine. Bientôt 300, vous pensez. Vous venez d'arriver. Vous restez un peu. Alors, l'Amérique, ça vous plaît? Vous habitez New York? Est-ce que Monsieur Bernard habite toujours ici? Oh, mais non, il est parti. Oh, pas longtemps après vous, du reste. Vous ne partez pas déjà? Non, non, je vais au bar téléphoner, mais je reviendrai. Je vais vous les donner, moi, vos téléphones. Il faut que je parle à Charlie. Le pauvre, comme il a changé son visage. Sa voix? Vous avez remarqué sa voix? Monsieur le roi, ça alors? Bonjour, Charlie. Oh, ça alors? Justement, je parlais de vous hier. Devinez avec qui? Avec René. Vous vous rappelez René, le barman du Beach à Monte-Carlo? Il est à Paris en vacances. On a même pris un pari. Quelqu'un lui avait dit que vous étiez rentré. Moi, j'étais sûr que vous étiez en Amérique. Tant pis si j'ai perdu. Ça me fait rudement plaisir de vous voir. Je vous fais un scotch sort, comme d'habitude? Non, ne me dites pas que vous avez changé. C'était toujours votre premier verre. Pour raccorder, vous disiez. Allô, monsieur Lavaux, s'il vous plaît. De qui? De la part d'Alain Leroy. Donnez-lui le bonjour de Charlie et dites-lui que c'est un lâcheur. Il vient plus jamais par ici. Les gens mariés, c'est tous les mêmes. À propos, madame Leroy est avec vous? Non. Elle est restée en Amérique? Oui. Monsieur Lavaux, c'est un lâcheur. Monsieur Castellotti, lui, quand il vient par ici, il descend toujours à l'hôtel. Non. On parle du bon vieux temps. Le gentil Alain, il vous appelle toujours. Il y a une adoration pour vous. Maintenant, il habite Milan. Marié, deux petites filles très mignonnes. Il m'a montré les photos. Il vient à Paris pour ses affaires, mais il en profite aussi pour s'amuser. L'autre jour, il est venu avec une grande brune superbe. Une stripteaseuse. Bon, d'accord. Ce soir, 8h. Un café? Non, je suis en retard. Appelle-moi ce soir à 7h. Une bière, Charlie. À quelle heure êtes-vous rentré, monsieur Postel? Tard, Charlie, très tard. Si vous préférez. Vous avez de la Casselzer? J'ai une tête. Tu réponds pas chez les frères Mainville? Vous êtes bien certain qu'ils sont pas chez eux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont en prison, pardi. Toujours l'Algérie? L'Algérie, c'est terminé pour tout le monde, mais les frères Mainville, eux, ils continuent. Vous ne me reconnaissez pas? Bostel, Michel Bostel. On s'est vu à la feria à Pampelune il y a 5 ou 6 ans. Ah oui. Vous étiez avec une Américaine. J'étais gosse dans ce temps-là. Après, j'ai fait mon service et vous êtes parti de Paris. Il
Francis est descendu? Pas encore. Je veux sortir du lit. Qui est-ce? Il est gentil. Il habite l'hôtel. La même chambre que moi. C'est mon successeur, en quelque sorte. Pensez-vous. Votre chambre, on a mis une plaque dessus. Ici habita plusieurs années Alain Leroy. Ah, c'était autre chose, ce temps-là. À côté d'aujourd'hui. Bon, merci. Je vous ai même pas demandé de vos nouvelles. Vous n'avez pas trop bonne mine. J'étais malade, mais ça va mieux maintenant. Ça n'a pas tellement l'air. Vous n'avez pas eu d'ennui? Pas vraiment. J'étais en clinique à Versailles. Depuis longtemps? Depuis 4 mois. Et vous partez demain? Oui. Pour New York? Non. Oh, vous n'avez rien bu? Je ne dois pas. Je ne bois plus du tout. Oh, je suis désolé, si j'avais su. C'est vrai que vous buviez trop, hein. Vous l'avez dit souvent. Vous me répondez que c'était une drôle d'opinion pour un barman. Pauvre garçon. Lui qui était si vivant. Avec des coups de cafard. Oh oui, mais jamais longtemps. Ah, j'ai pas de monnaie, monsieur. Ça ne fait rien. Gardez-le. Vous êtes fou? Quel idiot. Monsieur Dubourg est là. J'aimerais le voir. À cette heure-ci, on va passer à table. Qu'est-ce que c'est, Chantal? C'est Alain. Alain? Alain? Oui, Alain. Camarade Dubourg. Alain. Ben, j'attendais ta visite. Notaire. Faveur, dis bonjour à Alain. Bonjour. Ouais, ben ça suffit. Allez, va-t'en et envoie-moi ta mère. Allez. Tu joues au papa maintenant? Il y a beaucoup de choses que je fais maintenant. Toujours l'égyptologie. De plus en plus. J'avais flairé ça chez toi dès le début. Je me rappelle, je t'avais surpris un jour au lit avec une blonde, tu lui tournais le dos et tu avais le nez plongé dans un gros bouquin d'ésotérisme. C'est vrai. Il y a 10 ans, à Saint-Tropez, en pleine débauche, j'étudiais déjà la cabale. Et ça t'amuse encore? Ah, ça m'amuse plus. Ça m'intéresse. Fanny, vous vous souvenez d'Alain, du célèbre Alain à qui vous m'avez enlevé? Alain vient déjeuner, je pense. Oui, c'était très incorrect. Peut-être d'ajouter un couvert, Fanny. C'est fait. Le déjeuner est servi. Tu avais beau faire des mystères, ne pas écrire, ne pas téléphoner. Nous savions où tu étais. Ah, oui. La Barbinet m'a prévenu. Parce que je l'appelle de temps en temps. Pour savoir où tu en es. Ici? Seulement, elle voulait pas que je vienne te voir. Isolement complet. Oh, j'étais fatigué, tout. Oui, le traitement est dur. Surtout en rentrant à New York. Ça n'a rien à voir avec New York. Mais si. Je t'avais toujours dit, c'est pas une ville pour nous. On y est pris dans un tourbillon absurde. J'aime New York. C'est fascinant, mais on y vit mal. C'est une intoxication.
Les New Yorkais s'enfoncent dans leur ville comme des drogués dans leur... Faveur. Je m'y sentais bien. J'étais pas chez moi. J'avais toujours l'impression d'être en visite. Et à Paris? Bah, à Paris, c'est la même chose. Sinon, je préfère New York. Là-bas, les gens me laissent plus tranquille. Pourquoi tu revenais alors? Pour me soigner. Pourquoi pas là-bas? Dorothy m'avait trop vu. Elle sait que tu guéris? On le lui a dit, oui. Et toi? Tu le sais. Ça se sent. On se sent entièrement stérilisé, corps et âme. C'est un résultat? Dans stérilisé, il y a stérile. Je ne vous le fais pas dire. Vous aimez Françoise Hardy? Qui alors? Sylvie Barton. Qu'est-ce que c'est que ça? Une idole. Toi aussi, tu oublies qu'il y a une poussée démographique en France. Tu es un vieillard. Poussée démographique ou pas, moi je trouve les jeunes d'aujourd'hui désespérants. Jolis, élégants, bien nourris. Tous pareils. On dirait des oranges de Californie. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu ne les connais pas. Tu as pu travailler un peu? J'écrivais un journal ces derniers temps. Sans intérêt. J'ai tout déchiré ce matin. Où en es-tu? Beaucoup de vide. Moments atroces. Tu tiendras le coup? Quel coup? C'est fini pour moi. Je m'en vais. Tu n'as pas compris. Enfin, quoi, il y a tout de même des choses dans la vie. Tu as certainement une idée de la vie à toi. Eh bien, cette idée, il est impossible qu'elle périsse. Mais j'ai horreur de ce qui reste enfermé. Il faut sortir ce qu'on a dans le ventre. C'est merveilleux, une chose bien faite. J'ignore ce que c'est. Je n'ai jamais fait que désirer l'argent. Un peu. Comme tout le monde. Mais si c'était vrai, tu aurais travaillé ou volé. Non. Ce que tu appelles l'argent, c'est un prétexte à rêverie. Parle. Parle. Je ne veux pas te priver de ton plaisir. Ce que j'aime chez les hommes, ce ne sont pas leurs passions, mais ce qui sort de leurs passions. Des idées. Des dieux. Et où sont-elles ici, les passions? Tu tombes sur mon cas. Tu te fies pas aux apparences. Tu crois voir ici un petit bourgeois résigné? Je vis beaucoup plus intensément que du temps des souleries et des coucheries. Je finirai par écrire un livre où il y aura toutes les vertus de l'ancienne Égypte. Elles coulent déjà dans mes veines. D'autres en profiteront. Le soleil. On peut le toucher de la main. Tu devrais venir avec nous en Égypte. Là-bas, les étendues du soleil dans le ventre. Viens marcher, prophète. Les Mainvilles, c'est une autre histoire. Ils sont pris au piège de l'action, comme une drogue. Et Eva, tu la revois? Ni elle, ni les autres. Pourquoi faire? Bien agressif pour un homme heureux. Est-ce que tu es si content de la vie que tu mènes en ce moment? Aucune importance. Mais si tu t'embêtes... Fanny et ses filles... Cette maison qui sent le vieux... Tout ça, ça fait partie de ma passion. Tu n'as plus ton œil brillant d'autrefois.
ni ta belle énergie. J'ai vieilli. Tiens, tiens. Oui, j'ai vieilli. Je n'ai plus d'espoir, mais j'ai une certitude. Je suis sorti de ma jeunesse pour entrer dans une autre vie. Toi, tu tournes le dos. Tu refuses l'âge adulte. Tu restes enfoncé dans ton adolescence. C'est de là que vient ton angoisse. C'est difficile d'être un homme. Il faut avoir envie. Tu n'es pas fatigué des mirages? J'ai horreur de la médiocrité. Depuis 10 ans, tu vis dans une médiocrité dorée. J'en ai assez, justement. J'arrête. Je ne veux pas vieillir. Tu regrettes ta jeunesse comme si tu l'avais bien remplie. C'était une promesse. Et aussi un mensonge. C'était moi le menteur. Tu vois, tu es torturé par l'idée des femmes. Tu sais très bien que je n'ai aucun pouvoir sur elle. Oh, quelle blague. Regarde, à 20 ans, j'avais une belle gueule. Aujourd'hui encore, elle me trouve amusant, gentil. Mais tout ça ne suffit pas. Je n'ai pas de prise sur elle. Pourtant, il n'y a que par les femmes que j'ai eu un peu l'impression d'avoir prise sur les choses. Ce n'est pas la vie en soi que je condamne. C'est ce qu'elle contient de méprisable. Moi, je voudrais bien savoir comment tout ça a commencé. C'est par là que je pourrais te reprendre. L'alcool était dans mes veines avant que j'y réfléchisse. Comment ça? J'ai commencé par attendre les choses, en buvant. Puis un jour, je me suis aperçu que j'avais passé ma vie à attendre. Les femmes, l'argent, l'action. Alors je me suis saoulé à mort. Mais pourtant, tu as eu Dorothy et bien d'autres. Je ne les ai pas eues. Je ne les ai pas. Mais si tu tiens Dorothy, t'as pas besoin de coucher avec elle pour ça. Je ne la tiens pas et c'est parce que j'ai mal couché avec elle. Bah, si elle te fuit, c'est parce que tu bois trop. Mais je bois parce que je fais mal l'amour. Ah, quelle drôle de vie que nos vies suspendues aux femmes. Je ne vois pas en quoi tu es suspendu à Fanny. Je suis enfoui dans sa chaleur, comme un cochon dans sa bauge. Tu vois, on a envie de la toucher. Eh bien, Paris, c'est comme elle. La vie, c'est comme elle. Tu m'énerves avec tes certitudes médiocres. Alain! Contente-toi de cette médiocrité. Et tu retrouveras peut-être ta fantaisie que tu as tellement perdue ces temps-ci. Tu es lâche. Et faible. Et paresseux. Tu refuses les certitudes parce qu'elles te font peur. Tu fais l'apologie de l'ombre parce que le soleil te blesse les yeux. Si tu es mon ami, tu m'aimes comme je suis. Pas autrement. Laisse-moi te regarder. Je voulais que tu m'aides à mourir. C'est tout. Promets-moi de venir bientôt à la maison. Notre vie est réglée. Tu pourras écrire. Viens t'installer demain. Dubo, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Ce soir, j'écrirai quelques pages sur mes Égyptiens. Et puis je ferai l'amour avec Fanny.
se descendant en silence comme dans un puits. Et au fond de ce puits, il y a un énorme soleil qui chauffe la terre. Alain, je travaille. Je suis patient. Viens vivre près de moi, tu verras ce que c'est que la patience. Alain, j'aime la vie. Ce que j'aime en toi, c'est cette chose irremplaçable. La vie qui est en toi. L'air d'un cadavre. Tu n'as pas non plus un tas de jeunes filles. Ah, t'as les beaux yeux. Tu choisis tes relations, tu fais dans les gens sains, tu revois Dubourg, ce cafard de Dubourg. Poli, Poli. Et ton américaine de cauchemar? New York. Oui. Nos amis sont extraordinaires. Ils s'imaginent que le temps les change. Alors, il s'agit de vêtements. Ils font n'importe quoi. Des enfants, des affaires, des bouquins. Ou ils se tuent. Ou ils deviennent mystiques comme Dubourg. La fête est finie. Ils parlent de sincérité, les salauds, mais ils se jettent dans leur basse besogne. Et toi? Moi? Abandonnée, ruinée, entièrement ravagée, inaltérable. Je ne bouge pas. Je ne cherche toujours pas à comprendre. Le sommeil. Je ne crois plus qu'au sommeil. Tu as changé, tu travailles. La peinture? C'est ma seule faiblesse. La seule? Carla, où est-elle? Elle s'est tuée. L'année dernière, en voiture. Avec un imbécile. C'est absurde. Oui. Tu peux rester ici. Merci. Je pars. Je suis venu te dire au revoir. Toi aussi. Une catastrophe, ma chérie, le poil nous a lâchés. C'est Ursel. Je te préviens, il est de plus en plus bavard. La désintoxication. Drôle de chose. Pourquoi faire semblant de se désintoxiquer, mon Dieu? Par gentillesse. Pour faire plaisir à quelques amis inquiets. Pour ne pas laisser toute cette pauvre humanité seule dans son malheur.
Tais-toi, Ursel. T'es désintoxiqué parce que tu as eu peur. Peur de crever. Erreur. Nous, les poètes, nous n'avons pas besoin de la drogue pour nous jeter à la limite de la vie et de la mort. Ce qui m'a ramené à la drogue, justement, c'est le goût du risque que nous avons dans le sang. Et où se trouve la mort? Où se trouve la folie dans tout ça? La drogue, c'est encore la vie. C'est embêtant, comme la vie. Vous avez trouvé un joli petit système pour vous tranquilliser l'esprit. Il y a des drogués qui vivent jusqu'à 70 ans. Tout ce que vous risquez, c'est de vous abrutir. Tu en parles à ton aise. C'est un grand risque pour Ursel. Il doit faire son œuvre. Je vous en prie, ma chère. Son œuvre. Une œuvre. Encore des alibis. Mon pauvre ami, vous n'avez aucun sens de ces choses. Vous n'êtes que des formes vides. Quel mufle. Il est devenu impossible. Au fond, c'est un raté, mais un envieux. Ne dites pas de bêtises. C'est un très gentil garçon. Et il est très malheureux. Je n'aurais pas dû le laisser partir. N'ayez crainte. Il est très malheureux, mais il ne se tuera pas. Qu'est-ce que tu en sais? D'abord, tais-toi. Je sais que vous ne m'aimez pas. Je viens simplement pour avoir des nouvelles de Jérôme Mainville et de son frère. Ils sont au Flore. Merci. On m'avait dit que vous étiez en prison. C'est vrai. La semaine dernière. Je suis content de te voir. T'as pas bonne mine. Le bel Alain. C'est Rome. Il trouve qu'on devrait aller à la montagne. Il change pas. Qu'est-ce que t'as fait chez M. Kennedy? Toujours la fête. J'aurais préféré être avec vous. Il l'a proposé à l'époque. Ça ne tenait pas debout, votre machin. C'était perdu d'avant. Mais oui, le sens de l'histoire. On en reparlera. Tu sais, nous sommes têtus. Vous continuez? Mais vous êtes fou. Non, non, on va au sport d'hiver, en Espagne. Alain Leroy, petit camarade du Djebel. Des mauvais lieux de la rive gauche. Bon officier dans son temps. Merveilleux ami. Un peu ivrogne. Oh, un peu beaucoup. Toujours chez les femmes. Aucune conscience politique. Je peux pas compter sur lui. Dommage. Mais continuez votre action maintenant, c'est grotesque. C'est stupide. Vous n'avez pas une chance. Vous êtes des boy scouts. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je t'ai dit, nous sommes têtus. Quand tout sera fini, on ira faire une grande virée, comme au bon vieux temps. Good old time. Thank you.
plus là-bas? Je te croyais là-bas. Non, je ne suis plus là-bas. Och sen så ringde Hubertus på landet på lördag och söndag, så jag åker dit och ska ha badetur och vara med. Och sen på måndag ska jag jobba hela dagen, 500. Är det inte underbart? Jo. Nej, absolut inte. Jo. Och mamma och pappa ringde i morse, de kommer ner nästa vecka. Ja. Nej, absolut inte. Och Omar också kommer kanske. Ja. Nej. Men är inte då en underbar? Och hon tycker så jättebra om oss bägge två. Ja, det är säkert. Och hon vill låna massor med jobb åt oss bägge. Och hon ska göra det beröm, har hon sagt. Och hon kommer antagligen också göra mig beröm. Så att hon kommer ordna alla jobb hon kan åt oss. Ja. Ska hon få bio ikväll? Nej. Nej. Och sen så ringde Hubert också och bjöd oss på landet på lördag söndag. Nej. Är det ljuvligt? Jo. Nej. Quel ignominique tout ça. Comme la vie sait nous humilier. Ah, ça a trop fait. Tout un mois de juin. Une foire fantastique. Mais il y a bien 10 ans de ça. Tous les copains étaient là. Tu te rappelles? C'était formidable. On avait fait quoi à Topi, le coureur italien, que sa maîtresse s'était suicidée à Milan. Ça n'était pas très drôle. Un jour, il avait volé un car de l'American Express avec tous les touristes. Il leur a fait visiter l'hôtel Ritz du fond d'un comble. En le parlant de Scott Fitzgerald. Tu as vu cette tête? L'alcool. Il est fini. Dommage. Il était bien. Richard était amoureux de lui. Salut! Une course de car dans les rues de Paris. Parfaitement. C'est lui qui avait organisé ça. Les flics étaient fous. Je ne me sens pas très bien. Je suis en avance. J'ai eu un malaise. Je propose-toi jusqu'au dîner. J'ai le temps. Pension va arriver à 10 h, comme d'habitude. Tu connais Mention? Non. Enfin, oui, comme tout le monde. C'est un grand homme, ces temps-ci. Il a fait beaucoup parler de lui. Mmh. Il m'amuse, moi, cet intellectuel de choc. Avec son numéro de déménageur. Rien sur les déménageurs. Ah.
Je reviens tout à l'heure. Ça ne va pas, tu sonnes. Surtout, laissez-le dormir. Je sais ce qui s'est passé. Après une désintoxication, le premier verre vous rend malade à en mourir. Et après? Après, malheureusement, ça s'arrange. Pauvre Alain. J'étais heureuse de le revoir. Bien laide aujourd'hui, Mère Ubu. La sûreté, la tranquillité de ces gens. Personne n'en voulait ici. Heureusement, la presse anglo-saxonne est plus courageuse que la nôtre. Pardon, cela. Dites-moi ce que me disait autrefois ma mère quand j'arrivais en retard. Alain prendra le repas où il en est. Asseyez-vous, Alain. Vous connaissez tout le monde, je crois. Ah non, c'est vrai, vous ne connaissez pas Brancion. Marc, je vous présente un revenant, Alain Leroy. C'est un vieil ami de Cyril et un ancien flirt à moi. On compte, c'est bien sûr fait, vous savez. L'érotisme en Orient, d'après ma petite expérience personnelle, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Pourtant, les érotiques chinois. Mais justement, ils n'ont rien d'érotique. L'érotisme est un pur produit de l'Occident. C'est un concept chrétien. Il est basé sur les notions de bien et de mal, de faute, de péché originel. En Orient, ces concepts n'existent pas. Je n'ai pas faim, Louis. Donnez-moi un peu de fromage, c'est tout. Toujours jeune. Nous nous sommes déjà rencontrés. À Long Island, chez les Fairman. Comment va Dorothy? Je ne sais pas très bien. On dit qu'elle est heureuse. Je n'ai pas fait de gaffe, j'espère. Non, pas vraiment. Les libertins chinois sont des jouisseurs. Pour qui l'amour est un plaisir, seulement un plaisir, qu'il convient de raffiner le plus possible. C'est un art, l'agrément. Alors que pour nous, c'est une idée. Pension. Mon ami Alain vous dévore des yeux.
Je vais vous raconter une histoire. Célèbre. Un jour, à 7 heures du matin, un agent découvre, dormant du profond sommeil de l'ivrogne, un jeune homme allongé sur la tombe du soldat inconnu. Le dit jeune homme croyait si bien être dans son lit qu'il avait posé sa montre, son portefeuille et son mouchoir à côté de la flamme, comme à côté de son bougeoir sur la table de nuit. Quel est le héros de cette histoire? Alain Leroy, ici présent. Mention n'aime pas les ivrognes. Il a un très mauvais foie. On m'a dit à New York que tu divorçais. T'es mental. Qui est-ce? François Mignac, modèle des Parisiens, couché à 3 heures du matin, cheval de 9 à 11. Ah, c'est l'heure de la bourse. Quelques millions gagnés, perdus vite fait. Déjeuner d'affaires, un peu de bureau. Une femme, quelques verres. Dîner en ville, une boîte et on recommence. Il fait ça depuis 20 ans, il trouve la vie épatante. Non, merci. Plaisir de te voir. Tu me manquais. Tu es gentille. Dès qu'il aura obtenu son divorce. Oh, merci. Bravo. Le grand amour. C'est complètement nouveau. Je crois que je n'ai jamais éprouvé ça. Toi, tu me connais. L'amoureux. Je sais qui c'est. Non, il ne sort jamais. Mais tu vas le voir. Il vient me chercher tout à l'heure. Voilà donc le fabuleux, le légendaire, l'irrésistible Alain Leroy. Arlequin, Watteau, fête galante. Ne soyez pas méchant. Il n'est pas en forme aujourd'hui. Dites-lui un mot gentil. Je le blesserai encore plus. Nous pouvons nous aider? Téléphonez-moi un de ces jours. Vous avez mon numéro? Détournement de mineur. Ton mari est fou, il fait boire à l'eau. Je trouve déplorable ce malentendu entre toi et Bansion. C'est quelqu'un d'agaçant. C'est quelqu'un? Ah bon? Vas-y. Fusille-le. Homme accompli. Beau joueur. Porte son râtelier avec assurance. A eu toutes les femmes qui sont ici ce soir. Sauf Solange. Sauf Solange. C'est un martien, cet homme-là. J'ai envie de sa tranquillité. Est-ce que je veux ici? Tu m'entends? Je fais ce que je veux et puis tu m'agaces! Je fais ce que je veux, tu m'entends? Je fais ce que je veux. Vos Piranèses sont superbes. C'est le meilleur tirage que j'ai jamais eu. J'admire ce que vous faites. Parce que vous n'y croyez pas.
Vous vous trompez, j'y crois bougrement. Je tiens à vous dire, monsieur. Je tiens à vous dire que pas plus que vous, je ne trouve drôle de se coucher sur une tombe. Quand il est si facile de l'ouvrir et de se coucher dedans. Je vous demande pardon, mais je ne m'enivre jamais. Et j'ai un parti pris contre les histoires d'ivrogne. Moi, je suis un pauvre ivrogne. L'alcool, c'est bête. Nous autres, les ivrognes, nous sommes les parents pauvres. Nous le savons. En tout cas, nous nous effaçons très vite. Alain, tu es parti. Je ne suis pas parti, mais je vais partir. Je vais partir. Je suis en retard. Figurez-vous que je suis un homme. Eh bien, je n'ai jamais pu avoir d'argent ni de femme. Pourtant, je suis très actif. Seulement, voilà. Je ne peux pas avancer les mains. Je ne peux pas toucher les choses. D'ailleurs, quand je touche les choses, je ne sens rien. Cyril ? Cyril, viens dire bonjour au fil au lit. Alain, je te présente Frédéric. Et vous, monsieur, croyez-vous dans vos actes? Je n'aime pas beaucoup parler de moi. Alors vous n'aimez pas parler du tout? J'aime beaucoup vous écouter. Mais vous croyez en Maria, n'est-ce pas? Monsieur, je vous félicite d'avoir trouvé Maria. Enfin, vous, vous avez une femme. Moi, je n'ai rien. Voyons. Mais vous ne savez pas ce que c'est. Ne pouvoir mettre la main sur rien. Je ne peux pas vouloir. Je ne peux même pas désirer. Les femmes qui sont ici ce soir, bien, je ne peux pas les désirer. Elles me font peur. 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 Solange, par exemple. Solange. Eh bien, si je restais 5 minutes avec elle, je me ferais rat. Je disparaîtrais dans le mur. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Alain? Vous êtes un peu gris et bien triste. Qu'est-ce qu'il y a encore? Solange. Solange. Tu es la vie. Écoute la vie. Je ne peux pas te toucher. C'est atroce. Tu es là devant moi. Et pas moyen. Pas moyen. Alors je vais essayer avec la mort. Je crois qu'elle se laissera mieux faire. C'est drôle la vie. Tu es jolie femme. Tu es bonne. Tu aimes l'amour. Et pourtant, nous deux, rien à faire. S'en aller sans avoir rien touché. Beauté, bonté, tous leurs mensonges. Enfin, toi, tu sais les miracles. Touche le lépreux.
C'est une question de moment, Alain. Entre un homme et une femme. Et toutes vos belles, Dorothy, Lydia, toutes les autres, elles sont ravissantes, elles vous adorent. Pas assez belles, pas assez bonnes. Elles sont parties. Non, elles vous attendent. Elles aiment autant que moi l'amour. La chose bien faite. Voilà. C'est ça. La chose bien faite. Je m'en vais. Reste avec nous. Il faut que tu me parles. Je reviendrai. Maintenant, il faut absolument que je parte. Sans rien dire. Assez d'humiliation. Mais tu reviens. J'ai de l'argent au moins? J'en ai plein les poches. Viens déjeuner demain. Nous parlerons. Au revoir, Alain. Nous vous aimons bien. Adieu, Solange. Adieu, Cyril. N'oublie pas, Alain. Déjeuner demain. Cyril tient Solange. Il fait bien l'amour et il a des millions devant lui. Pension n'a pas trop de chance. À 18 ans, quand j'étais assez beau, ma première maîtresse me trompait. Le coup est régulier, on est toujours cocu à 18 ans. Alors à 18 ou à 30, elles sont toujours très gentilles. Mais elles s'en vont. Ou bien elles me laissent partir. Là, tu m'étonnes beaucoup, alors. Appelle ça comme tu voudras, mais tu plais. Je suis maladroit. Je suis lourd. J'avais de la délicatesse dans le cœur, pas dans les mains. Tu sais, Milou, quand on a vraiment le goût des gens, ils sont très gentils. Ils vous donnent tout. L'amour. L'argent. Il faut donner aux gens l'impression qu'on a envie de les prendre. Et quand on les a pris, qu'on les tient. Tu es sensible, Milou, mais tu n'as pas tellement envie de les prendre. Moi, je ne les aime pas. Je n'ai jamais pu les aimer. Je ne peux pas toucher, je ne peux pas prendre. Et au fond, ça vient du cœur. Mais enfin, qu'est-ce que tu aurais voulu faire? J'aurais voulu captiver les gens. Les retenir. Les attacher. Que rien ne bouge plus autour de moi. Mais tout a toujours foutu le camp. Mais quoi, tu aimes tant les gens que ça? J'aurais tant voulu être aimé qu'il me semble que j'aime.
Vous voulez votre petit déjeuner? Oh, merci. Françoise. Ne dérange pas jusqu'à midi. Allô? C'est vous, Alain? Je ne vous rêvais pas? Ah, Solange. Oui, mon petit Alain, je vous téléphone pour vous rappeler notre déjeuner. Nous vous attendons sans faute. Ne venez pas trop tard. Vous bavarderez avec moi. Comment ça va ce matin? Pas mal, pas mal. Pas mal? Vous dites ça d'un ton. Mais vous venez, hein? Mais oui. Vous êtes gentil. Je vous aime beaucoup. Vous m'aimez beaucoup. Et Brancion? Oh, Brancion, c'est autre chose. C'est le contraire de vous. C'est une force de la nature. Ah. Et vous aimez les forces de la nature? Je les aime. J'aime tout. Je ne suis pas une force de la nature. Je ne comprends rien à tout ça. Au revoir, Solange. Alain. Solange me répond pour Dorothy.